un besoin précis, mon ami. Du coup, c'est celle-là que j'ai débloquée tout à l'heure. Avec 3000 l'amélioration, mort de rire. Et je pourrais améliorer à nouveau mes lames jumelles. Parce qu'en vrai, ah, j'ai deux fois les mêmes, d'ailleurs. Je pourrais en démonter une pour faire des objets. 3000, ça augmente que de plus 4. Je sais pas. Et elle, du coup, est-ce qu'elle vend des trucs différents? Prince de Perse. Chef des maraudeurs. Maraudeur de la savane. On va faire un petit tour à Alexandrie pour voir s'il y a des trucs. Là, il y a des trucs à récupérer déjà. Oh, il danse. Oui, il y avait un truc dans l'eau. Non, c'était des branches. Du coup, ça me fait un peu sortir de la ville. On va remonter. On va laisser un petit peu de temps quand même. Il y a ça, la rigueur, et puis il y a une petite cage à côté aussi. Arsenal de Kibotos. Il y a pas mal de trucs à prendre feu déjà. Tuer le capitaine et piller deux trésors. Ben, il y en a un là, des trésors déjà.
Moi, je pense que la priorité c'est de prendre le poste de garde qui est là. Comme ça, on piège le feu au cas où. Pas l'air d'avoir quelqu'un à l'intérieur. Ça doit être le commandant, peut-être, lui, niveau 11. Oh merde, 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 merde. J'attendais pas à ce qu'il y en ait un qui monte là. C'était vraiment pas de peau ça. Alors, c'est bon, je suis au max. Quoique. Il y a un talus qui monte. Est-ce que ce serait lui le... Ouais, c'est lui. Où est-ce que tu vas? Oh là là, mais attends. Je ne l'avais pas vu. Un nouvel arc. Ah merde, putain. Je m'attendais pas à sauter en bas. Il donne quoi le nouvel arc là du coup? Oh, j'ai un nouveau bouclier, mais je crois que c'était de la merde. ...322 de dégâts, arc de guerrier. On va s'équiper de celui-là en attendant.
Waouh, attends. Ah ouais, mais il tire 4 flèches en même temps. Non, 5 flèches en même temps. Waouh. Ah mais c'est chaud. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Sty. Sty. Du coup, on va repasser sur l'arc indépendance. Voilà. Non mais c'est les flèches. Oula, je sais pas s'il va pas capter le cadavre lui. Qu'est-ce qui se passe? Merde. Ah bah oui, forcément, hein, enculé. Ah bah oui, bah là par contre... Que dalle. Ouais, il a pas du tout ramassé en fait. Plus de dégâts. Est-ce qu'il n'y aurait pas le deuxième coffre sur le bateau par hasard? Non, oh, ça me paraît, hein. Y a rien.
Oh bah merde. J'ai détruit les chiottes. N'importe quoi, je veux pas. En fait, il a l'air d'être tout seul là-haut, donc. Allez, je peux pas récupérer le truc. Quoi. Ah bah c'est ça le trésor je pense. Voilà. Du coup j'ai encore récupéré un arc. Alors elle, 100 contre cent sept de dégâts, c'est ça. Lame jumelle. Du coup, je voulais en démonter une, donc je vais démonter la plus petite. Ça, ça me fait un fer, un bronze, très bien. Gourdin en bronze. Bah j'ai déjà le gourdin en bronze niveau 1. Donc c'est la même. Je vais détruire celui-là. Et la lance légère, j'avais récupéré tout à l'heure. Que j'ai aussi niveau 3. Donc je vais virer celle-là. Enfin, voilà. Oui c'est ça, arc. Le part. Qui fait 215 de dégâts. Arc léger. Écoute, c'est pas mal. Par rapport à celui que j'ai qui fait 144. Après faut voir parce que ça se trouve, il fait encore un peu. Ouais, c'est des trucs qui tirent en rafale. Écoute, pour les combats ça peut être intéressant, on verra. Bon, il a pas l'air d'être content que j'ai tiré à l'arc à côté de lui. Il y avait une quête aussi, pas très loin. Là-bas. Sarapis, le serpent aura sa réponse. Je pensais vraiment qu'il réussirait le saut entièrement. J'ai besoin de quelqu'un pour un travail rapide. C'est bien payé. Toi, ton insigne, tu es un homme d'honneur. Ils sont devenus si rares. Je suis un Medjay. Je résous les problèmes. Bien. J'en ai un. Un trésor extrêmement précieux. Il doit être livré aujourd'hui. Tu seras bien payé pour ce travail, crois-moi. D'ailleurs, voilà déjà quelques drachmes. Je n'ai pas l'habitude des villes où tout s'achète si facilement. Bien, affaire entendue. Suis-moi. Ce que je vais te demander est de la plus haute importance. Naturellement.
Le métier de marchand n'est pas une tâche facile. Expédier des peaux de tigre et des statues n'a rien de simple, crois-moi. Ah, ces ouvriers, jamais là où on leur demande d'être. Comme je te le disais, tu vas devoir faire vite. Oh, et ne te laisse pas distraire. Si c'est le cas, je le saurai. C'est tout ce qu'il me reste après la crue. Tu as l'air d'y tenir, Ata. Oh, c'est un lion. Maison. Je le jure sur le tombeau de sa mère. Elle a été envoyée par les dieux pour embellir Alexandrie. Elle ? Tu as ton garde du corps, Kara. Et que ça ne se passe pas comme la dernière fois, ma fille. Attends, tu ne m'as jamais demandé de... Mais Jai, s'il ne lui arrive rien, je te promets que tu crouleras sous les drachmes. Toi, Kara, n'oublie pas la réception de ce soir. Tu seras prête, ma fille ? Bien sûr, père, je serai prête. Je suis si heureuse que tu aies accepté de m'aider. Je vais te conduire chez toi, ne crains rien. Oh, bien sûr. Merci, mon taureau. Tu ressembles à Héraclès. Je vais peut-être t'appeler mon Héraclès. Il faut que j'aille où d'ailleurs ? C'est où qu'il faut que j'aille ? Ah ouais. Niveau 15 requis, enfin suggéré. On va voir. Mais non mais t'es conne. Mais t'es conne ma parole. On s'est fait quitter le... Elle remonte connasse. Remonte. Donc vraiment, faut que je fasse le tour là-bas. Enfin, on change de cap, Héraclès. Hein? Ah, pas question. Petite, ma tâche est de te ramener chez toi. Je ne veux pas. Tu connais les prêtres d'ici. Quel ennui. Non, je dois aller au grand marché. J'ai entendu parler des teufs de Perse. Je veux en acheter. Sinon... Je vais hurler. Ça attirera les soldats. Et là, même si tu leur survis, mon père te le fera payer. Canubis s'emporte cette ville. Ce serait pas Sekhmet déguisé. Il me mettrait à l'épreuve. Hein? Qui ça? Oh, rien. Bien. D'abord chercher ma jument. On la traite de manière horrible quand je ne suis pas là. Il faudrait que quelqu'un nettoie cette tour. Oh. Tu sais mener les bateaux? Bien mieux que mes autres gardes du corps. J'adore cette partie de la ville. Je vais peut-être crever. Parce que vu que je suis, ah, je suis au niveau 11, ça fait 4 niveaux de plus quand même. Jeune maîtresse, quel plaisir de te revoir. Oh. Tu l'avais demandé, on a pris soin de ses pieds. Sylvain le marié. Et sinon, pour mon mari, ton père m'a chargé de te ramener. Va te payer pour ton cheval. Je suis sûre que mon père serait mécontent que tu discutes de cela devant cet homme écuyer. Mais j'en parlerai à ton père. Oh, Pégase, je sais que je t'ai manqué. Oh oui, magnifique créature. Si seulement tu avais des ailes. Bon, en route, garde du corps. Ah non, mais il faut prendre son cheval. J'en ai assez. Je te ramène chez toi, princesse Kara. Oh, c'est toujours pareil avec vous, les grands taciturnes. On ne peut jamais s'amuser. Je devrais te laisser ici. Tu t'es engagé à me ramener, tu te souviens? Et si je partais? Cela pèserait sur ta conscience, crois-moi. Il y a un papyrus. Regarde, garde du corps. Plus. C'est là que j'ai eu ma première
discussion avec un soldat. Il a dû t'en être très reconnaissant. Nous devons aller acheter des étoffes au marché. Je vais te ramener chez toi, comme le veut ton père, pas ailleurs. Allez, avance. Tu sais que tu es en train de gâter mes chances de trouver les étoffes idéales? Il y a plusieurs sortes d'étoffes. Tu es plus sévère que mes gardes du corps habituels. Fuck. Tu pourrais aller plus vite, garde du corps. J'ai un nom. Putain, comment je sors de là? Bayek? Enfin, tu te souviens de mon nom? Je me souviens de tous leurs noms, tu sais. Les noms de qui? Mes gardes du corps. Quand je le peux, j'envoie des cadeaux à leur famille. Ah, oh, putain. Kara. Oui? Ça te ferait plaisir si on allait chercher tes étoffes. C'est vrai? Bien sûr. Merci, Bayek. Tu as un regard intéressant. Merci. Là, il y a une sauvegarde automatique, donc là, il va y avoir un combat, je pense. Nous approchons. Enfin. Oh, mais elle saute d'un coup, elle, cette bobette. Qu'est-ce qu'elle est con. Ah putain. Eh, hey, cours plus vite. T'es, qu'est-ce qu'il est nul ce chameau là. Je lui fais que dalle comme dégâts en plus. Ah putain, il m'a défoncé. Ouais, ça se trouve, fallait seulement le suivre, tu sais, et... Ah non, du coup, je vais me retrouver en face à lui, en fait. Mais non... Bon bah écoute.
papa. Comme Pégase boitait, Bayek a pris soin de lui. Il m'a à peine quitté. Ah. J'ai entendu du vacarme, mais selon ma petite princesse, tu es le héros du jour. Peut-on en faire mon garde du corps permanent? S'il te plaît, père. Combien cela coûterait-il d'embaucher un Medjay? Je ne compte pas m'éterniser ici. Dommage. Alors, permets-moi de récompenser dignement les services d'un héros. Oh, get it.